Salut YouTube, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Blasphemous, le blasphémateur. Lors du dernier épisode, nous avions fini l'exploration du mur des Saintes Prohibitions, nous avions avancé sur les toits de l'archicathédrale, et vu qu'on arrive un petit peu dans un cul-de-sac, on va essayer de voir ce qui se passe du côté de la citerne, si on peut débloquer certaines choses, et du côté de Jondo, où il y avait des choses que nous n'avions pas encore été voir. Pour essayer de trouver un petit peu une sortie à ce labyrinthe. On avait trouvé quelques reliques intéressantes aussi, mais on ne sait pas encore ce que ça fait, donc on va devoir découvrir au fur et à mesure. Du coup, on va essayer d'atteindre les zones à l'est, puis au sud. Ça c'est fait. Là on essaie de descendre. Les espèces d'hommes glaires, on va les éviter. Superbe. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas été voir plus loin? Ah oui, parce que c'est bloqué. It is Keblo! Du coup, on va accéder par là. Bon, et bah c'est parti. Ok, non, bah non, c'est. D'abord, faut remonter. Les égouts sont tout pourris ici, hein. J'ai même pas envie de vous causer, vous. Je cause pas à toi. Est-ce que ça se voit que j'ai envie de tracer à travers la zone? Je vous le demande. Pourquoi j'étais pas monté à vous? Humirus de McMittens, l'infirmier. Comment tranquille. Infirmier et grand amateur de chats, McMittens sauva un nombre incalculable de vies, humaines ou autres. Écœuré de devoir sauver ceux qui n'avaient aucun respect pour la vie, préféra mettre un terme à la sienne. L'optimisme de ces gens. Ok, bon, ça c'est fait. Moi j'avais pas été jusque-là, je ne sais pas. On va descendre, puis on va prendre le deuxième passage à l'est. C'est bien celui-là. Ok. Est-ce encore la sortie en bas à droite? Cette fois-ci, on va au sud autant que possible, puis à l'ouest. Je me fais goûter dessus. Je commence à casser des trucs pour récupérer de la vie. Quel enchaînement incroyable. Ok. Ah d'accord, on avait été bloqué par les fumées nauséabondes et on n'avait pas encore l'item pour passer, donc on va vite réparer ce petit inconvénient. Ok, pourquoi tu montes pas? Arrête la bonne.
La plateforme, elle est à même pas à mettre de haut, tu connais pas? C'est quoi ce délire? Est-ce qu'on peut remettre le truc de double... Il me semble qu'il y avait un truc de double saut que j'ai jamais réussi à utiliser. Mais là, si tu peux pas monter à côté, ça c'est ridicule. Tac magique, donne une nouvelle impulsion en l'air, gros orteil de gré. Mais le truc, ça fait 3 cm de haut, tu te fous de ma gueule! Why not? Bah donc je ne sais pas comment passer là. Bon allez, jusqu'à la table de sauvegarde au moins, c'est complètement ridicule ce truc. Le mec il peut s'accrocher à n'importe quelle plateforme, mais là non, ça fait 20 cm de haut, je peux pas. Enfin bref, je reste zen, je reste frais. Un petit peu mes caractéristiques principales, hein. Zen et calme. Bon. Du coup, me voulez bien embarrasser. On va prendre le téléporteur, retourner jusqu'à Jando, et repartir. On peut prendre Albero, descendre ici, brup, refaire tout le chemin par là. Donc allez, c'est pour le téléporteur. Donc lui c'est vrai qu'on l'avait défoncé, c'était un des premiers boss qu'on avait vu. Un bidule de sauvegarde. Bibliothèque démonie, on n'était pas monté complètement non plus. On va déjà aller jusqu'au téléporteur. Retourner jusqu'à Albion. Direction les citernes. Cette fois-ci, on va essayer d'atteindre le passage bas. On vers la droite. T'as dit de te tenir à tous les trucs. Ah, ça tu veux bien le monter, hein. Un petit peu artificiel ce truc, ça me... Je trouve ça un petit peu... Ça m'a mis un petit peu hors du jeu. Petite limitation de gameplay incompréhensible. Est-ce que ça semble comme une grosse idée de sauter? Oui, mais on va le faire. Ok, très bien. Bah écoute. 78e mort, hein. Bon, donc l'ouest, je vais pas pouvoir y aller. On va se repartir pour le téléporteur d'Albero.
Pas compris. Si j'ai compris, je vois bien le pourquoi et le comment, mais. Ça aussi, c'est pas très roleplay, on sait très bien qu'il y a des trucs en dessous, on a fait des chutes qui étaient extrêmement élevées aussi. Ça va être, je pense, la conclusion à propos de Blasphemous, c'est que c'est bien, mais ça manque de finition. On sent que certains trucs qui démangent au niveau des angles. On sent que par endroits c'est pas aussi fini qu'un Castlevania par exemple. Mais du coup c'est un petit peu frustrant par moments. Clairement, on voit la descendre, on voit ce qui se passe, mais on ne peut pas y aller. Parce que bon. Et c'est en termes d'immersion, c'est pas terrible. Le backtrack est long. Sœurs. Ok, backtrack, ça se voit bien, on a un passage vers le bas là-bas qu'on n'a pas vu non plus. On va déjà sauvegarder avant de mourir de façon ridicule. Bon, on va déjà essayer d'aller en haut. Ou un truc comme ça. J'espère pouvoir te retrouver là-bas. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas exploré là? Je ne sais plus. Ah si, parce qu'on était impatient de finir cette zone. Les pétales, ça me rappelle. Jocelyne qu'on a sauvé. Ruban nuptial déchiré. Oui, allez. With this torn ribbon, I reject this bond with my betrothed. Voile de deuil noir. Oui, allez. With this veil, I cover my face in mourning for the dead love for my betrothed. Et on n'a plus rien. Très bien. Donc on peut pas y aller. Là-haut, on n'a pas de double saut. Du coup, ça va être au niveau de Jondo la suite. Hein. On va voir où est-ce qu'on peut. Ce qu'on peut en faire. Bon, en tout cas, on a trouvé un nouvel endroit, il y a du mieux. Oui, donc là, on s'en fout. Juste pour faire gling gling contre le mur. Ouest.
en retournant sur mes pas. Oh le relou. Ouais, c'était parfait. Je te connaissais pour la forme. Trop lent. Juste assez rapide. Ok, il va être la sauvegarde ici. Et bon. J'espère que je suis pas en train de faire tout ce chemin pour rien. J'en serais un peu déçu. Allez, hop, à l'est. À l'est, puis au nord. Et au nord encore. Là, à l'est de la zone. Ah, boomerang man, je t'avais oublié. Et tu ne m'avais pas du tout manqué. Mais alors pas du tout. Ok, bon bah c'était là où on était pas allé précédemment. Pourquoi? Je ne suis pas sûr. Peut-être pour ça. 79. Bon, heureusement, on n'a pas sauvegardé trop pour moi encore. Ça pourrait être pire. Ok, deuxième tentative. Rien de se presser. Je sais, c'est moi qui dis ça, c'est un petit peu ironique. Bonne vanne. Et que les passerelles qui t'effondrent. Alors, concentration. Putain, bordel. Ouh, changement de design. Lui, le bon côté des choses, on a libéré un chérubin.
ce qu'il faut pour lancer mon épée. Débilus Maximus. Et je suis sûr que c'est juste pour récupérer un manche de mea culpa. Et je m'en fous. Je m'en fous. Ça me sert à rien. Ça c'est étonnamment efficace. Jusque là c'était pas mal. Cœur de la Sainte Purge, c'était donc en effet un fragment de mea culpa. Je m'en cogne, j'en ai pas besoin. Le cœur d'une épée bénie prière fervent peut s'enchasser dans mea culpa. Augmente les larmes d'expiation recueillies mais empêche d'utiliser les flacons de ville. Oh, bon, en plus, c'est super utile. Hein. Ça fait 8 fois que je rate mon tir, un petit moment ça va se voir que je suis nul. Parlant de ça, je suis pas censé avoir un effet boomerang débrayable sur ce truc. Bon, le retour était beaucoup mieux géré que l'aller, hein. On en est où? On en est qu'on n'a pas avancé. Et là, du coup, je peux pas y accéder. Pourquoi je pourrais pas y accéder alors que visiblement j'y suis passé précédemment? Qu'est-ce que j'ai foutu? What did I do? Attendu là-bas, je pense que j'ai fait de la merde. En toute lucidité. Dire si tu me fais mourir alors que je sais très bien ce qu'il y a en dessous, je dis à peu près. On peut t'expier, gérer notre expiation. C'est un petit peu à me saouler.
700, oui. Allez. Je prends. Et on va défoncer des fantômes pour... Enfin, on va défoncer des ennemis quand même, parce que... Sinon, on va pas réussir à être fervère, et si jamais un boss, ça pourrait nous servir. Ok... Golest... Ça va, la zone suivante. On va monter. Je vais arrêter de faire nimp. Et oui, c'est caché derrière ces contre-portraits, évidemment. Ouais, bah ouais. Amnésique. Hop là. Et alors pourquoi on pouvait pas avancer ici? Parce qu'on a dû mourir de façon stupide plusieurs fois et que ça nous a saoulé. Encore ça, justement. Pièce de métal fondu. Très bien, je suis très content d'avoir trouvé ça. À quoi ça me sert? Trois pièces fondues en une masse informe dont l'éclat ne se ternit jamais. Il y a un chérubin qu'on peut toujours pas atteindre. On va voir si ça peut pas servir à l'espèce de tête de meuf bizarroïde qu'on a fait tout à l'heure. J'étais tout en bas. Je t'en prie, traverse les trois quarts de l'écran pour m'attaquer. Ça me fait plaisir. Fais comme fais toi. Oui. Dire qu'on avait raté ça. T'as senti qu'on avait rushé un petit peu ce truc. I reject the riches of my betrothed. Penitent one in silence. Moyen sexy. Who summons my three voices? Three sisters became as one, thus birthing a grievous miracle called Altus Gracias. This egg conceals something of ours that still remains immaculate. F de difformité. Fort bien. Take it with you, and thus take its purity away from us, for it is already too late for these deformed bodies. Et qui suis-je? Un œuf hirsute né d'une abomination. Sa coquille de cheveux cache aux curieux de mystères insondables. C'est la cruauté d'une promesse brisée qui façonna Altas Gracias et l'affliction qui donna chair à son chagrin. Nous enfermerons notre voix dans cet œuf, nos langues qui tournent et poussent continuellement pour nous échapper.
Les nœuds d'une liberté que nous n'eûmes jamais, nos cheveux cacheront cet œuf dans le froid jusqu'à ce que la chaleur des braises le fasse éclore. Okay. Ça m'avance pas des masses. La map dit que je peux continuer par là. Je peux pas te taper. Vers l'est, ascenseur, Albert. Genre, ça regarder, c'est une bonne chose. J'espère que c'est pour donner un truc bien. Hein. Histoire d'œuf. La dernière fois. Le bidule. Ario my mommy. Toute une zone intermédiaire ici qu'on n'a pas encore pu aller voir. Ouais, Albero, c'est au-dessus. Alors, hop. C'est bien ça. Trouver le testicule gauche de quelqu'un. Oui. Voilà. Sorrowful be the... Rien à dire. Tu t'en sors? Bon, ouais, on avance, on trouve des petits trucs. Je sais pas exactement où ça nous mène. Mais bon, ça avance. Petit à petit. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mais après, ça tourne un peu en boucle. Faut tailler à droite, à gauche. C'est un petit peu relou quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en termes de rythme, etc., c'est quand même vachement moins bien maîtrisé qu'un Castlevania. Où le rythme a tendance à aller crescendo, il y a un chemin qui se détache, plus ou moins. Là, ouais, il y a des petits moments de flottement un peu étranges. Genre là, par exemple, j'ai trouvé un item, je sais pas à quoi il me sert. Quoi. Couvent de Notre-Dame au visage calciné, on s'en fout. Cimetière, animé. Bibliothèque, on s'en fout aussi. Ça, c'est déjà fait. Mère des mers, ça me semble une bonne idée. Plus ou moins. Les autres, ils me disent que dalle. Tout ce qu'ils auraient à me faire, la nuit sainte, chacun silencieux. De difformité. Je sais pas. Je ne sais pas. Pas où aller, je ne sais pas quoi faire. J'espère être sur la bonne direction. Ou... j'ai bien un téléporteur là-bas. Non.
bibliothèque. Si. On a dit bibliothèque. Alors il y a l'écureuil qui aime pas qu'on touche à leur bouquin. J'avais un objet à rendre à je sais plus qui, mais je sais plus son nom, je sais plus où il est. Mère des mères. Poil ouest. Ok, je peux rien en faire. C'est l'instant, je tourne en rond. Nœud des trois mots. Je vais voir ce qui se passe là-bas, je me souviens plus de ce truc. C'est pas où il y avait l'arbre du miracle? Avec Raoul qui n'est pas du tout le boss de fin. He prayed it made every in this triune tree that sprouted years every year for twisted. Tu me l'as déjà dit ça. Tu m'aides pas beaucoup, tu donnes pas vraiment du tien. Pourquoi on n'est pas allé là-haut? Il y a des zones qu'on n'a pas explorées ici. Eh ben du coup on va explorer. Si on y arrive. J'ai confiance. Je me prends déjà un coup de d'encensoir. Histoire de fêter ça dignement, bien sûr. Ok, parfois ils aiment pas qu'on touche au bouquin, mais parfois c'est pas grave. West, 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 west. Go west, comme disent nos amis du village. Les gens du village, bien sûr. Petit. Ok, très bien. Je sais pas quoi te mettre, alors je vais te mettre dans l'endroit où ça t'emmerde le plus. Tu fais revenir la plateforme, c'est bien aussi, voilà. Enfoiré. J'ai pas débloqué un raccourci. Non. J'avais vu avec un petit espoir que la trilogie Mass Effect était disponible sur Humble Bundle. Si vous n'avez pas fait Mass Effect, bah, je vous conseille de le faire, qu'est-ce que vous foutez là? Et par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas tous les DLC avec, donc c'est un petit peu dommage. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur ce passage à la con. Hein. Je me suis pris le plafond. Il m'a permis d'éviter de faire pour la 8ème fois le même pattern. J'ai perdu les 2 tiers de mon énergie. Je suis
Ijibin heureux. Ah oui, il y a un hôtel, ça me demande. Tu n'as pas d'indication sur ce que tu dois faire? Non. Non, non, tel un Dark Souls, il n'y a pas d'indication. Terre, ce bruit. Ouais, d'accord. Non, c'est un jeu à la Souls, et les jeux à la Souls, tu as rarement des indications sur où tu dois aller, ce que tu dois faire, c'est un petit peu... Juste, bon, je suis là, donc la suite ça va être par là, je pense. Mais du coup, là, je commence à tourner en rond, parce qu'il y a du backtrack et tout, donc c'est un petit peu chiant. Donc c'est un petit peu en mode, tu dois revenir faire des trucs, mais on sait pas trop quoi, et on te dit pas trop, donc... Je suis en train de me refaire un petit peu la map dans tous les sens. Yes, c'est bien. Du coup, quand la map, on l'a déjà fait 2-3 fois, c'est pas très enrichissant pardon, comme passage. C'est compté comme si j'ai marché dans les livres. À nouveau les Xbox, les hitbox de l'enfer. Pour éviter de mourir là, ce serait vraiment ballot. Pour reprendre l'expression consacrée, bien sûr, hein, c'est ballot. Alors, on essaie d'atteindre en haut à gauche. Si c'est encore pour trouver un cœur de mea culpa, je chie sur la moquette. Mais bien sûr. Court pour le saut. Et je peux pas accéder là-bas parce que j'ai pas la compétence pour. Je commence vraiment à tourner en rond. Ça commence vraiment à me courir sur le haricot. To run on the bean. Oui. Rien. On a rempli de flacons. Je descends, je vais à l'ouest. Le gros monsieur là, on était déjà passé, mais je sais plus ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne sais pas. I don't know. En termes d'équilibrage, le slide est vraiment trop puissant. Ok. Je sens que ça fait encore partie de ces trucs qui vont m'agacer.
accéder par au-dessus. Donc lui il est mort, c'est tout ça. Un truc à faire en termes de réflexe que je n'ai pas. Ah bah ouais, ça, ça m'avance à rien ça, il peut pas s'accrocher sur cette plateforme là. Ça aussi tout simplement. Mais du coup je ne peux pas accéder à la grille. J'ai rien de faire un canard sur le griffoir. Ah y'a un mec. Phalange d'Aral Karim l'archiviste. Qu'est-ce qui se passe, mon brave homme? Tout ça, c'était super intéressant. Du coup, si je fais ça, les deux sont là. Si je fais ça, tu t'ouvres. Et si je fais ça, je suppose que tu te fermes. Je sais pas. Ok. Ouais. Une énigme avec la réflexion. Autant dire que c'est perdu d'avance. Ça m'avance pas trop plus que ça. Je suis sûr qu'il y a un moment de passer et quand je vais le trouver, je verrai. Bravo la brute. Comme ça en fait par exemple. Oui, bravo l'abruti. Alors l'Orkiana, c'est quoi? Une pierre qui fait pleuvoir des éclairs de feu depuis l'essence même du miracle, transperçant tout ennemi qui ose s'opposer à mes coups de pas. Super, j'en avais pas du tout besoin. Je suis très content. Tout ça pour ça. Avoir dosé la moitié de la map, mais encore ces parties là que je peux pas utiliser, que je peux pas, auxquelles je peux pas accéder. Je pense avoir fait globalement le reste, mais j'ai raté quelque chose ou... dans la bibliothèque là, il y avait des histoires de bouquins que j'ai pas résolu. Peut-être que ça peut me donner un truc. Sait-on jamais. Ça doit être là, je crois. Alors, un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'un fémur. C'est bien. Bia et Perronnet, je crois, ouvre-tu.
et rotule. Alors. Évidemment, il y a une logique. Fémur, péroné, tibia, rotule. Est-ce qu'on avait quelque chose là-dessus au niveau des ossements? Dieu, on s'en fout. Vertèbre, non. Pariétal, sternum, phalange. Ah, rotule. Peut-être qu'on a un indice là-dedans. Des marionnettes. Je vous interdis de bouger. Bon, on s'en fout. Humérus, phalange, os. Fémur. Ok, bon, il manquerait du coup le tibia. Si, c'est bien ce que je pense, il faudra tous les os. Cette partie-là, je peux toujours pas y accéder, ça me gonfle un peu. Là, on avait fait le tour, on avait trouvé la meuf avec trois visages. Ça va être là, hein. De toute façon, j'ai plus d'autres endroits où aller, donc on va aller voir où se meurent les oliviers. C'est pas grave. On va faire le chemin en sens inverse tout à l'heure. Il y avait quoi ici? Ah oui, il y avait cette espèce de pièce étrange. Y avoir quelque chose à un moment, mais je ne me souviens plus quoi. Ah si, c'était un truc de soin, enfin, d'augmentation de la vie, je pense. Je suis dubitatif. Je vois pas trop ce qui me manque en fait. Là où on est déjà été voir. Toujours ce truc en haut de... Et barrez-vous pour de mime. Toujours ce truc de ronce auquel je peux pas accéder. Est-ce qu'on a pas de sauvegarde parce qu'on a perdu pas mal de vie même si on a beaucoup de flacons de bile. Dado by name, night watchman by trade, I'm in your mercy. You have my gratitude for having silenced such an unbearable sound. L'arme d'expiation, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Des gens, je leur parle, je sais même pas en quoi je les ai aidés. Je ne sais plus, j'aurais dû prendre des notes. Mais moi je pensais pas que c'était un jeu où j'aurais besoin de mon cerveau. Bon, on va voir où meurent les oliviers et si c'est pas là. Je suis perdu. Par le verrou, on avait dit que c'était plus rapide. Même les larmes d'expiation, je me souviens pas qu'on les ait utilisées.
plus rien à me dire. Sorrowful be. Non. Find the next rem. Non. Je devais remettre un truc à un cadavre, mais je sais plus qui. Je parle peu, mais ça nous permet de profiter un petit peu de la musique d'ailleurs. Non, et pas toujours, pas tout le temps le cas. Excusez-moi. Alors, l'homme tronc. Pas de réponse, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, je suis paumé. Et on cherchera la solution à d'où qu'est-ce que je dois aller et d'où qu'est-ce que je dois faire lors du prochain épisode. Du coup, YouTube, bah, je te dis à la prochaine. Hein. S'en sortira-t-on, je ne sais pas. Nous verrons bien. Et quant à toi, Twitch, je te dis une bonne nuit et plein de bisous. Salut!